ça va l'équipe dans le chat? Comment va le chat? Comment vous allez les frérots? Ça dit quoi l'équipe? T'as volé ma place? T'as volé ma place? Tu t'es au courant que t'as volé ma place là? Là, là tu fais le roi lion là. Là tu fais le roi là. Est-ce que les frérots vont bien dans le chat? Est-ce que vous êtes prêts pour ce petit live? Yo 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 les gros BG, les gros BG, comment vous allez les frérots? J'espère que vous avez tous passé une bonne journée, l'équipe. Voilà, tu prends ma place. J'espère que vous avez tous passé une très bonne journée les frérots. Ça fait plaisir de vous voir sur le live. Ça fait trop plaisir. Bon, j'ai un problème d'éclairage. J'ai le mur qui a pété. Il y a plus de lumière là-haut. Du coup, voilà, si ça fait bizarre, c'est un peu normal. J'ai la light ne marche pas. Ace m'a pris ma place. Donc, hein, il est en train de dormir. Derrière moi, il s'en bat les couilles, il en a rien à cirer. Bref, les frérots, j'espère que vous allez tous très bien. Est-ce que vous avez kiffé la vidéo de samedi avec Ace? Est-ce que vous avez kiffé la vidéo? En tout cas, merci à tous ceux qui l'ont vu, qui ont regardé, qui ont commenté, etc. Bref, voilà, merci pour votre accueil. Ace va très bien, il est sage, ça bouge pas, toujours aussi sage. Fais dodo sur la chaise, frérot. Les gars, c'est vraiment mon âme sœur. Ça veut dire, c'est une histoire d'amour. Entre moi et lui, c'est une histoire d'amour. Genre, des fois, il vient, il me fait un câlin. Il monte, il vient me voir, il me fait un câlin, il dort sur moi. Là, il dort sur ma chaise, il s'en bat les couilles. Je suis à côté de lui, il en a rien à cirer. Frère... C'est un truc de baiser, ce chien est adorable. Incroyable, incroyable, oui, oui, masterclass, incroyable, ok. Samedi les gars, nouvelle vidéo VDI, alors j'ai une bonne nouvelle les frérots. D'ailleurs, merci à tous ceux qui mettent des pouces bleus, maintenant, sans plus tarder, ça fait toujours plaisir. Ceux qui s'abonnent, qui mettent la cloche, la vidéo était incroyable, merci Roméo, grosse dédicace à Ousko. Les gars, samedi 14h30, je ferai un nouveau VDI, mais je trouvais que les VDI, vous en pensez quoi ces derniers temps des VDI? Soyez honnête dans le chat. En vrai de vrai, je suis un peu, j'étais un peu dubitatif. Je me disais que c'était un peu un contenu poubelle. Comment vous dire ça? Je sais pas. Pour moi, VDI, il y a un potentiel et tout, mais je trouve que c'était un peu à l'arrache. Je faisais à peine du montage et tout. Donc, je me suis dit, je vais essayer d'améliorer tout ça. Et du coup, pas alors. Et du coup, bah VDI, j'ai envie de travailler le truc. Et du coup, j'ai fait le VDI de la semaine prochaine, changera un peu. Donc samedi, à 14h30, nouveau VDI, il va changer d'habitude. Donc voilà, c'est cool. Et j'espère que vous allez kiffer. Moi, je trouvais ça un peu... vraiment, je trouvais ça bof. Voilà, je vais vous le dire honnêtement. Au moins, on est tous ensemble. Ceux qui disent pas ouf, bah vous avez raison, je trouvais ça pas ouf. Maintenant, j'ai essayé d'amener un truc sur celui de samedi. J'ai essayé de changer la façon de parler, ma cam, j'ai essayé de changer l'organisation du VDI. Et j'espère que vous allez kiffer. Donc j'attends. Ceux qui aiment pas, bof, désolé, bah y a pas de souci les gars. En vrai, je prends les critiques, hein, y a pas de souci. Et ceux qui aiment pas, j'espère que samedi, je vous ferai changer d'avis. J'ai essayé de changer un petit peu, faire un peu plus quali. Donc vous me direz, ok? Est-ce que je peux compter sur vous dans les commentaires de la vidéo de samedi de me dire si ça s'est amélioré ou pas? Et voilà, en tout cas, c'est grâce à vous que je peux m'améliorer, c'est grâce aux commentaires qui disent ce qui va et ce qui va pas, et c'est important. Merci beaucoup Talia pour ta donnée, merci beaucoup, merci Maxime, merci Camille pour ta donnée, merci Jonas, tu viens quand on vogue sur le Discord? Je passerai mon frérot Jonas, pas ouf et très long, ouais c'est vrai, bah on verra samedi, j'espère que ça sera mieux que d'habitude. Inok, j'ai un pote, on est dans la même classe, on est en train de s'éloigner, ah merde, t'es pas dans la même classe, il était en train de témoigner, ok oui, carré, ok. C'est quoi ton top 3 de tes animés préférés? Bon, moi je pense que je mettrais One Piece, Dragon Ball et Naruto, hein. J'ai bien kiffé les trois. Merci Zarkio, merci beaucoup les frérots. Merci. C'est quand que tu rejoues avec mon objectif dans un stade, frérot?
Comment ça, Tiger? Merci frérot, merci beaucoup. Bon les gars, je sais pas ce qu'on va faire ce soir. J'ai vu beaucoup de gens qui ont kiffé The Forest. Et j'ai peut-être une idée pour la prochaine aventure. Merci Mail Game. Alors d'ailleurs, est-ce que vous l'avez vu? Je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont pas vu. Je vais vous montrer un truc. Alors attendez. Je vais vous montrer un truc. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je compte sur vous dans le chat. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est parti. Peut-être que vous ne l'avez pas vu. Vous l'avez peut-être loupé. C'est parti. Je remets à zéro. Oh oh oh. Pour tous ceux qui l'attendent, le serveur Minecraft, ça avance. Et je vous ai donné une mini date, en tout cas un indice pour tous ceux qui me demandaient Inox, c'est quand le serveur Minecraft? J'ai donné un indice, vous l'avez vu dans la vidéo. À vous de le voir, normalement vous l'avez tous vu. Mais en tout cas, ça fait plaisir, ça avance. J'espère que le trailer, vous avez kiffé le trailer sur 10. Mettez-moi une note sur le 10. Les gars, j'ai galéré à faire le trailer. Vous savez que celui qui a fait le trailer, c'est un Américain. Je compte sur vous pour aller lui donner de la force. Il s'appelle Fear. C'est lui qui me l'a fait, c'est un crack les gars. Voilà, j'ai galéré, je devais tout lui expliquer en Amerloc, tout ce que je voulais faire. Et c'était bien galère. Mais on a eu le trailer, donc je suis content. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est pas le dernier. Il en reste. Bref, voilà, il en reste, donc j'espère que vous kifferez les prochains. 10 sur 10, ça fait plaisir, les gars, ça fait plaisir. C'est un banger, ça se voit. Merci Timéo. Alors, je vous préviens tout de suite, tous ceux qui kiffent Minecraft, vous êtes sûrement là sur le live. Merci à tous. Déjà, c'est quand que tu joues à Zelda? Je sais pas encore, Guy Beck. Merci beaucoup, Védi. Tu devrais faire des vidéos avec Ace. Merci, Charlène. Merci beaucoup, les gars. Alors, pour tous ceux qui se disent, ouais, le serveur Minecraft, ça va être incroyable, machin. Mon but, c'est que ça soit incroyable. Maintenant, quand il sortira, je vous le dis maintenant, ça sera une version bêta. Ça veut dire, c'est pas le serveur définitif. C'est une bêta. Ça veut dire, c'est une... Comment dire? C'est le début du serveur et il va évoluer tout au long de l'année avec vous, avec vos retours, ce que vous en pensez, ouais, Inox change ça, mais ce jeu, machin. Donc, il y aura tout un système. Il y aura une roadmap sur toute l'année, voire plusieurs années. Et ça sera au fur et à mesure du temps, toutes les semaines, qu'il y aura des changements. Donc, à la sortie du serveur, vous attendez pas à un truc de ouf. Voilà, je vous le dis, moi, je vous le dis. Ça fait un an que les mecs codent, donc en vrai les jeux sont trop bien. Moi je kiffe tout, les maps sont incroyables, le lobby est incroyable, je kiffe. Mais vous attendez pas à un truc de fou malade, voilà, je le dis. Comme ça au moins il y aura pas de déçu, vous pouvez être que content, voilà. J'ai pas envie de vous décevoir ou quoi, j'ai pas envie de machin. Moi mon but c'est de faire mon serveur Minecraft. Pour moi il est incroyable, enfin il est incroyable pour moi et je kiffe. Maintenant vous attendez pas à un truc de fou malade, c'est le début, c'est bêta et au fur et à mesure du temps. Il s'améliorera et il sera bien. En tout cas, j'espère que vous allez kiffer. Rendez-vous en novembre. Je vous dis pas encore la date, vous verrez. Pour l'ouverture du serveur, on en reparle de temps en temps. On en reparlera, les gars. C'est quoi les spécificités du serveur? Vous saurez tout en temps réel. Mais sachez que j'ai des projets avec ce serveur Minecraft que j'ai envie de réaliser. Maintenant, j'aurai besoin de la commune Minecraft. J'aurai besoin que vous soyez tous soudés. Tous les Minecraftiens dans la communauté Minecraft, je compterai sur vous pour m'aider, pour emmener le serveur avec Epixel. Mais en tout cas les gars, j'aurais besoin de votre soutien de A à Z, de jusqu'à la fin. Et voilà. Voilà. C'est qui? C'est un TikToker? Comment ça David? Qui un TikToker? FIFA fait pas l'aveugle. Alors vous voulez tous que je joue à FIFA? Les gars, j'ai pas FIFA. Ça veut dire que si je joue à FIFA, faut que je l'achète. Donc de 1, j'ai pas d'argent. Voilà. Désolé de vous le dire. On n'a pas tous les moyens de s'acheter FIFA. Non, je rigole. Non, en vrai, j'ai pas le temps de le télécharger, les gars. Si je le télécharge, ça va prendre une heure. Ça va prendre une heure, on pourra même pas jouer. Quel discours, là, non, mais c'est bon. En vrai, je suis en rage, j'ai la flemme d'acheter FIFA. Non, en vrai, de vrai, je sais que si j'achète FIFA, je vais ouvrir des packs. Ça veut dire que je sais que je vais ouvrir des packs et je n'ouvrirai plus jamais le jeu. Par contre, si vous voulez, prochaine fois, on pourra faire un live FIFA. Et en ouvrir des packs, et limite, j'offrirai des packs à la commu. Est-ce que vous voulez bien? Mais prochaine fois, parce que là, en vrai, ça sert à rien de lancer FIFA, je l'ai même pas téléchargé. Là, sur mon ordi, j'ai quoi? Fortnite,
Fall Guys, Minecraft, on peut faire un jeu d'horreur. On peut télécharger un jeu d'horreur en deux spi. Est-ce que vous voulez qu'on on peut faire une impro soirée horreur. Je peux mettre les LED en rouge et on fait une soirée horreur. Merci Alexis, je sais pas encore. Merci beaucoup. Les amis, on peut potentiellement improviser en soirée horreur. Hein. Si vous êtes chaud. Moi, ça me tente. Moi, comment vous dire que je suis tenté? Je suis assez tenté. C'est quand que tu refais une survie Minecraft? Bah, tout seul, ça va être un peu ennuyant, mais ça va, mon bébé. Tu fais dodo? Oh là 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 là. Mais regardez-moi ça. Mais les gars, j'ai pas le meilleur chien du monde. Regardez-moi ça. Il dort dans mon dos. C'est le boss, quoi. Je suis amoureux de mon chien, les gars. Je me suis rendu compte, en fait, que c'est les seuls êtres purs. Les chiens sont les seuls êtres purs. C'est mieux que les humains, les chiens. Les chiens, c'est mieux que les humains. Et en fait, ça fait du bien d'avoir une boule de pureté avec moi. Je me sens pur. Ace va avoir peur, t'inquiète, il dort. Bon, est-ce que le chat, on part sur une soirée horreur? Mettez un maximum de flammes et on part sur une soirée horreur. Mais comment vous dire que ça me tente de baiser? Ça me tente de ouf. Il y a le JP Explorer ce week-end, ouais. Je sais pas si j'aurai le temps d'y aller. Merci Alex, horreur please. Moi je suis chaud, en vrai de vrai. Je suis chaud de faire une soirée horreur. Vous me mettez le meilleur jeu horreur et on le fait. Merci à Leandro pour ta donnée. Merci infiniment mon frérot. Merci à tous ceux qui sont sur le live, ça me fait très plaisir. Ça fait plaisir. Oui, jeu d'horreur, go, go, go. Après les gars, forcément, je pourrais pas faire un truc qui plaît à tout le monde. Ça, vous pouvez en être persuadé. Il y aura toujours des gens qui vont être tristes que je fasse pas un jeu ou un autre. Maintenant, ça fait longtemps, je pense, qu'on n'a pas fait de jeu d'horreur. Je pense qu'on peut se faire un kiff tous ensemble. On se fait un live jeu d'horreur jusqu'à 22h30. 22h, 22h30, on essaye d'avancer sur le jeu et voilà. On voit ce que ça donne. Mais je vois beaucoup de flammes. Donc, je me dis que vous êtes potentiellement chaud. Moi, en tout cas, je le suis. Oh là là, bah le chat est... Ok, c'est bon. Allez, le chat, vous êtes tous chauds. Ok, alors dites-moi, à partir de maintenant, il faut que vous me mettez tous d'accord. Quel jeu d'horreur on fait? C'est parti, spammez des jeux d'horreur. Lequel on fait? Moi, je suis sur la page Steam. On l'achète instant. Bah, The Forest, c'était un chef-d'œuvre. Moi, j'ai trouvé que c'est incroyable. Inox, salut, j'espère que tu vas bien et que Ace aussi. Merci, Céline. Merci beaucoup. Moi, ça va super. Merci pour ton sub. Pas de Five Nights Freddy. J'en peux plus de ce jeu, les gars. J'ai fait des cauchemars. Five Nights Freddy, oublié, c'est mort. Inox, quand tu mets les trucs sur Vinted? Sur Vinted, je mets tout demain. Normalement, si j'ai le temps, je mets tout demain. Resident Evil 7, FNAF. Ah, FNAF, les gars, je peux pas. Les gars, FNAF, j'en peux plus. Je vais être honnête, FNAF, il me fait trop peur. Granny 2. J'aimerais bien le faire avec Squeezie, Granny 2. En vrai de vrai. Outlast. Resident Evil. Phasmophobia. Il est bien Phasmophobia ou pas, les gars? C'est bien ou pas Phasmophobia? Parce que j'y ai joué il y a très très longtemps, mais je me rappelle plus. Est-ce que vous voulez jouer à Phasmophobia? Ça va peut-être être un peu long, je pense, en live, hein, Phasmophobia. Je te kiffe trop, t'es mon youtubeur préféré. Bah, merci beaucoup, Leandro. Arc Survival Evolve, très bon jeu de survie. Bah, on va peut-être faire ça avec Amine. C'est entre ça et Grounded. Phasmophobia, merci Alex. Merci Jérémy pour ton sub. Phasmophobia, vous êtes chaud ou pas? Est-ce que vous êtes chaud, Phasmophobia? Non, éclaté. Non, non. 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 Stumble Guys. Non, Phasmo. Phasmo. Hello Niboard. Fais une dédicace à Noam et Burmax. Grosse dédicace à Noam et Burmax. Merci les gars. Hey Enox, youtubeur Foufa, fais un live sur toi. Merci Soso. Bah, passe-lui le bonjour, frérot. C'est bien, frérot. J'ai regardé 3 fois ta vidéo avec Ace. Bah, merci, mon frérot. Ouais, Ace va bien, il est là. Mais les gars, en fait, là, je sais pas quoi faire parce que vous êtes un peu tous à me dire des trucs différents. Vous êtes pas trop corda ensemble, là. Donc, ça veut dire, j'hésite un peu. Non, vu et revu. The Gurge avec la Dame Blanche. Oh, ça me tente. Le best. Grosse dédicace au 01. Merci beaucoup. T'es pas chaud, Getting Over It? J'ai déjà fini. Essaye Hello Neighbor. Merci, Michael. The Grudge. Attends, je vais tester The Grudge. Attends. The Grudge. C'est bien The Grudge ou pas, les chats? The Grudge. The Grudge. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est un malade mental. Il est malade, ce chien. Je rêve. Il veut me serrer la main. Mais les gars, il est en train de dormir et il m'a fait ça, là. Il vient de mettre sa patte. Je crois qu'il fait des cauchemars. Mais tu fais des cauchemars, Ace? Tu fais des cauchemars? Pff, il me termine, ce yinche, les gars.
il me termine. Oui, c'est incroyable. T'es moche. Bah, merci, frérot. Au moins, c'est clair. Alors, The Grudge. Comment t'as écrit ça? Grudge. Oh, The Blackout Club, c'est ça? Si, The Grudge. C'est ça ou pas, les gars? C'est ça, le jeu? Veuillez indiquer votre date de naissance. Ouais, ok, voir la page. C'est ça, The Grudge? Ça a l'air naze, non? Ça a l'air naze, non? Ça a pas l'air ouf, ça. Oh, il est trop chou. Ouais, c'est un BG. Slenderman. Éclaté, Hello Neckbourg. Slenderman. Slenderman. Au pire, Dead by Daylight. C'est bien Dead by Daylight? Pimpirad, FJMK, une voiture d'abo. Oh, c'est pas mal, Yacine. Je note l'idée. C'est gros, tu peux convaincre ma meilleure pote de sortir avec moi. Bah, sors avec lui, c'est un bon gars. Eh, mais attends, Day by Daylight, c'est dard, non? Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça? J'ai jamais fait de ma vie. Ah, j'en ai entendu parler. Est-ce qu'on joue à ça, le chat? Ou ça pue la merde? Dites à partir de maintenant, éclaté ou incroyable. C'est incroyable ou éclaté? Mais je crois que c'est un jeu de fou, hein, Dead by Daylight. J'en ai entendu parler, moi, hein, donc je pense que c'est un jeu de ouf. Mes enfants et moi, on va à Paris dimanche, on aimerait te rencontrer, on t'adore, t'es le meilleur. Fais ce que tu veux comme jeu horreur. Bah, merci Athéna, merci beaucoup. Je suis peut-être pas là, moi, ce week-end, donc... Oui, éclaté, oui, s'il te plaît, why not? Ouais, c'est trop bien, oui, ah 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 ah. Non, bonsoir Enoch, tu vas bien? C'est quoi Phasmophobia? C'est un jeu d'horreur, mon petit Samir, merci frérot. Oui, incroyable, 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 éclaté, éclaté, incroyable, 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 éclaté, éclaté, incroyable, incroyable, mais... Pourquoi c'est mitigé? Pourquoi tout le monde met éclaté et d'autres incroyables, mais multijoueur? Ah, faut... C'est multi... Attends, au pire, j'appelle Amine. Il répondra jamais. Il est en live, Amine, ou pas? Il est en live? Ah, putain, je pense qu'il est pas là. Ah, il y a le match du PSG ce soir. Bah, c'est mort, il est pas là. S'il y a le match du PSG, c'est mort. C'est de la frappe, c'est éclaté. Mais je peux jouer en solo? Jeu de pignouf. Je connais pas. C'est quand que... Mais au pire, on n'est pas forcément obligé de faire un jeu. Non? Au pire, on peut improviser un live. On jouera un jeu une prochaine fois. Au pire, on peut faire une radio libre. Vous allez sur mon Discord où on raconte une histoire. Ouais, mais je sais pas, ça va être trop dur d'organiser ça. Genre un mec qui me raconte une histoire ou quoi, ça va être trop galère. Y a pas un truc à faire sur Internet où j'en sais rien, au pire. Un truc pas chiant, le temps d'installer et tout. Moi, les gars, je vais vous dire honnêtement, j'ai lancé le live juste pour être avec vous. Parce que là, je viens de tourner trois vidéos dans la même journée. Je t'avoue, je vous avais promis de live, donc je live. Et j'ai rien prévu, en fait. Mais moi, je suis chaud de parler avec vous, faire un truc, ou faire un jeu, un autre jeu, mais... Ou sinon, on se fait un Fall Guys, ou j'en sais rien. Merci Skywhite, merci mon ref, merci Ruben. Mais je t'avoue, là, le temps de trouver un jeu et tout, faut que je me renseigne, j'ai pas envie de faire un jeu de merde et qu'on soit déçu, tu vois. Merci beaucoup pour ton sub, Spicer. Merci la Ethic Music, merci beaucoup pour vos subs, les gars. En vrai de vrai. Je t'adore, j'espère un jour tu me réponds. Bah, c'est le cas. Pourquoi tu lis pas, frérot? S'il te plaît, Hello Neighbor. Mais je crois que Michou l'a déjà fait. Hein. Ton serveur va flop. Merci, mon frérot. On sait pas, hein, peut-être. Hein. Ah, frérot, moi, je suis jamais dans le... On est jamais sûr que ça va marcher ou pas. Hein. Mais il faut essayer pour pouvoir voir. Donc, voilà, hein. faut essayer. On fait un V1 MC. Merci, mon frérot. Hey, Hello Neighbor est vraiment d'art, t'inquiète. Hello Neighbor. Ça c'est bien ça. Est-ce que c'est le truc avec le bébé? T'es le meilleur, je te kiffe. Merci Vincent, merci beaucoup. Hello Neighbor, un jeu d'horreur en mode fortiscan à pénétrer dans la maison du voisin pour découvrir ce qu'il se cache dans son sous-sol. Jouer avec une IA pour apprendre chacun de vos mouvements. En vrai, je suis chaud de l'acheter, hein. Il a l'air pas mal, hein. Ça a l'air d'art en vrai. Ça a l'air d'art. Mais j'ai envie un concept de vidéo comme ça. Pas exactement, mais dans le délire. Merci Spicer pour ta donate. Merci Biscuit. Fais une radio libre, je vous raconte un truc. Merci Jonas, prochaine fois au pire. On joue à ça, les gars? Je suis chaud de jouer à ça, non? J'ai une question. WWE 2K2022. Merci mon ref. J'ai une suggestion. Ah, un jeu de cash, je suis moins chaud, Samir. Essaye visage, c'est une dinguerie. C'est long à skip. Mais Hello Neighbor, ça a l'air d'art, non? C'est hard, tu finiras jamais ce soir. Trop bien ce jeu. Trop bien, c'est éclaté. Façon, les gars, chaque fois, quoi qu'on fasse, il y a un mec qui dira c'est éclaté. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, faut faire un vote.
faut qu'on fasse un vote. Merci Lightic Music. Outlast, c'est une dinguerie, c'est pas gros. Merci. J'ai déjà fait Outlast, Fall Road. Merci mon frérot. Soit on fait Elonic Bor, soit je sais pas ce qu'on fait. Merci Starry, continue, t'es un crack. Merci mon ref. Ou au pire, je réponds à vos questions, on fait un blabla. Hein. On fait une FAQ, enfin une sorte de FAQ, je réponds à vos questions. Au pire du pire. Peut-être que vous voulez pas, après je sais pas, mais en fait j'ai pas envie que vous soyez déçus, quoi. J'ai envie qu'on... Moi j'ai juste envie de passer un moment blabla avec vous, en vrai. En soi, je m'en bats les couilles qu'on fasse n'importe quel jeu, c'est juste... Si on peut parler aussi, ça me va, hein. En vrai de vrai. Roblox. J'ai jamais joué à Roblox. Mec, moi en vrai, faire un blabla en live et toutes vos questions, j'y réponds. J'essaye de répondre à un max de com dans le chat, je suis chaud, hein. Faites vos paris. Enfin, faites votre choix. Soit Hello Neighbour, soit chat. C'est tarpin bien, Hello. Bah après, il y a beaucoup de gens qui me disent c'est tarpin bien, mais très positive. En vrai, gossant, hein, je suis chaud. Achetez la collection édition. Moi, je l'ajoute au panier. Merci beaucoup, Mato. Merci, mon ref. Merci, Starry. On peut jouer à ça, les gars. Comme ça, au moins, c'est fait. Alors, ça vaut quoi, là? Hello Neighbour, Hello Neighbour, Hello Neighbour, Hello Neighbour, Hello Neighbour, Hello Neighbour, chat ma gueule, hello, chat, hello, chat, il y a un mec qui m'a dit, il a pas compris, Inok joue à Resident Evil, merci, hello, merci Rémi, merci beaucoup mon frérot, essaye de me tuer à 500 si tu veux, il est bien, merci Aziz, hello, hello, chat, en vrai, il y a beaucoup de hello, bon, allez, les gars, faut respecter les paris, il y a beaucoup de hello, on va acheter Hello Neighbour, acheter pour moi. Terminant, j'accepte, achat, acheté. Je peux faire un sondage sur YouTube. Quoi? Merci Dempreva. Fais un sondage? Quoi? Comment ça, sondage? On peut faire des sondages sur YouTube? Vous me trollez. Attendez, il y a mon téléphone. C'est vrai ça? Merci Mikun, c'est en cours mon frérot. Qui vient de Marseille, allez l'OM. Merci mon frérot, il y a un match de l'OM là? Attends, je comprends pas. Ah non, merde, il est là mon tel. Attends, les gars. On peut faire des chats YouTube, des sondages YouTube. C'est du troll. Bah au pire, on fait un sondage YouTube, comme ça au moins tout le monde est clair. Quoi? Mais comment tu fais? Comment je fais un sondage YouTube? Ok, on voit pas ma carte. Oh, j'ai joué sa mère, putain. Comment je fais un sondage YouTube? C'est quoi? Comment je fais? Créer un sondage. Sa mère, on peut faire ça? Mais non! Depuis quand? Depuis quand? Oh là là, balle que je viens de me prendre, mais c'est incroyable! Hello Neighbour. Ou discussion. Chat. Ajouter une option. Non? Je supprime l'option. Attends, hop. Mais attends, mais c'est insane! Depuis quand on peut faire ça, les gars? C'est nouveau! Merci, Lightic! Merci, Mato, t'es le boss! Merci, frérot! Je viens de Marseille 4-1 hier, merci! 4€ sur un stand gaming, merci, physique! Bah attends, mais depuis quand on peut faire ça? Depuis longtemps? Comment ça, depuis longtemps? Mec, je stream sur YouTube tout le temps, je savais même pas on pouvait faire ça! C'est quoi ce bordel? Depuis un an? Quoi? Depuis un an on peut faire ça? J'y crois pas. Mais non, on peut faire des sondages! Mais j'ai jamais eu ça, moi. Vas-y, votez, les gars. Votez. Merci, Dempreva. De rien, merci, Dempreva. Non, l'OM ont joué hier. Ah, ok, merci, frérot. Hello, le piètre streamer. Merci, mon ref. Mais non. Sûr, on peut faire des sondages. Grosse dédicace, Azedine, Bouzerda, Aïchik. Merci, mon ref. Alors, du coup, Hello, Neighbour, il y a 70%, les gars. 70%, en gros. Ça veut dire, la plupart d'entre vous, vous voulez qu'on joue à Hello Neighbour, disons. Moi, ça me va, hein, je m'en fous. Hein. Vas-y, hein, j'achète. Hein. Hello Neighbour, 68%. Putain, les amis, je savais même pas qu'on pouvait faire des sondages sur YouTube. Vous avez réveillé un truc, mais je vais en abuser. Les gars, je vais en faire tout le temps. Alors, attendez. Confirmez votre achat. Code. Alors, c'est 3, 7... L'achat en cours.
Non mais genre, c'est depuis un an, on peut faire des sondages. Non mais les gars, je suis streamer YouTube et... comment il dort, mec, ce chien, mec, c'est un crack. Mec, il me fout droit. Ce... Bah alors, je t'ai réveillé. Mec, il me termine, c'est le boss. Merci Mato, je veux pas, mais t'es un crack. Mec, j'adore ce chien, putain. Ok, c'est bon, je l'ai acheté. Parfait, on va jouer à Elo Neighbourg alors. Il y a 70% de vote qui a été fait. Donc voilà, c'est le choix du sondage. Mettre fin au sondage, c'est parfait. C'est votre choix, les amis. C'est parti, Elo Neighbourg, téléchargé. 4 gigas, ça va aller vite. Et sinon, petite question. Que pensais-tu de la vie de YouTuber ressembler à ça quand t'étais un petit YouTuber, les gars? Quand j'étais un petit YouTuber, je pensais pas que ça ressemblait ça, la vie de YouTuber. Après, bon, on va pas se plaindre, hein, les gars. J'ai quand même un métier de ouf. Je vais jamais me plaindre en mode, oh mais non, mais il y a trop de taf ou quoi. Bon, oui, il y a beaucoup de taf que vous voyez forcément pas. Mais voilà, après, le but, c'est pas forcément que vous vous rendez compte. On s'en bat les couilles. Voilà, hein. Je veux pas me plaindre, hein, je suis content en vrai. Hein. J'ai réussi à faire mon rêve. Maintenant, voilà, j'ai d'autres rêves et on va essayer d'avancer ensemble. Toujours plus, toujours s'améliorer. On va essayer. Déjà, j'ai une question. À quand une vidéo avec Ace, je l'adore? Bah frérot, je l'ai fait samedi. Ah toi, t'es à l'affût, toi. Les amis, la vidéo avec Ace, je l'ai fait depuis samedi. Et d'ailleurs, j'espère que vous l'avez vu. Est-ce que vous remarquez dans les vidéos face cam, est-ce que vous trouvez ça mieux qu'avant? C'est une question, parce que j'essaye de faire des efforts dans ma façon de parler, ma prononciation et tout, et j'essaye de mieux parler qu'avant, faire plus structuré et tout. Est-ce que ça se voit ou pas du tout? Genre sur la vidéo école et vidéo Ace, j'étais en face cam, ça faisait longtemps. Je veux savoir s'il y a une différence ou pas du tout, ça se trouve, vous vous en rendez même pas compte. Allez, c'est parti, on lance le jeu. Ce jeu dispose d'une fonctionnalité autosave. Lorsque cet indicateur s'affiche sur votre écran, votre partie s'enregistre. C'est Matoji, mais pas grave, mince, dommage. Merci mon ref, t'es un génie en tout cas. Oui, oui un peu. Inox, hello, t'es un de mes youtubeurs préférés. Si ce n'est pas LE. Oh merci Florian, ça fait très plaisir. Et quand la prochaine vidéo avec Andrea? J'ai dit qu'il y aura plus de vidéos avec Andrea, Florian, mais je lui parle encore de temps en temps, donc tout va bien. T'es trop fort, oui, 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 ça se voit. Oui, t'as coupé tes vaches aussi. Ouais, un peu en vrai. En sar, c'est le plus beau chien que j'ai jamais vu. Oh bah c'est gentil. Ace, il est derrière moi. Ouais, ça se voit. Ok, bon, allez, c'est parti. Les gars, est-ce que vous pouvez me dire si le jeu est facile, moyen ou difficile? Frérot, tu reviens quand en Angers? T'inquiète, Yannick, je le dirai sur Insta si je reviens. Sélectionnez l'acte. Nouvelle partie. Voulez-vous démarrer une nouvelle partie? Oui. C'est parti, les amis, let's go. Acte 1. Alors, moi, je connais pas le jeu. C'est quoi ce bordel? Difficile, vous dites-vous? Oh, t'as une tronche, frérot. Oh, je suis le mec! Attends, paramètres. Contrôle. Ma souris ne marche pas. C'est normal? C'est normal que ma souris ne marche pas, les amis? Sur le jeu? Pourquoi ma souris ne marche pas? T'es un exemple pour la jeunesse, sache que t'es le boss. Bah merci beaucoup Rodriguez. Merci pour ton donner, ça fait très plaisir. Pourquoi ma souris marche pas? Les amis? On m'explique ou pas là? Y'a un souci là. T'es génial. Merci. On kifferait une vidéo en mode où vous repassez le code. Merci frérot, juste dis-toi, y a pas mal de screamers. Un des jeux d'horreur les plus techniques. Merci Gabriel. Pourquoi? C'est normal qu'il n'y a pas ma souris ou pas? Les flèches, bah oui, mais... Là, je veux mettre les contrôles, changer les touches. Comment je fais? Sélectionner. Ah ouais, putain, il n'y a pas de souris sur ce truc. Ramasser E, action E, tenir. Ouais, ça, je m'en fous, sauter. Courir. Shift, contrôle, s'accroupir, espace, sauter. ZQSD, déposer, jeter. Comment on va à droite à gauche? C'est où droite à gauche, les gars? Ramasser, action, déposer, jeter. Il n'y a pas droite à gauche. Changer les touches. Je peux pas mettre d'autres touches, les gars? Comment on fait? Salut, t'es le boss, continue comme ça, j'ai une question. T'arrives à répondre au message Insta ou c'est chaud? J'essaye, Alexandre, un maximum, mais c'est vrai que j'ai du mal. Mais j'essaye. Merci beaucoup, mon frérot. Va à droite avec les flèches. Ça marche pas. Si, hein.
Les gars, comment je mets ZQSD là pour avancer? Débranche, rebranche. Non, ça marchera pas. Comment je fais, les gars? Oui, c'est normal que la souris met ton clavier en anglais. Mais je sais pas faire ça, putain. Fais Alt Shift. Ça marche pas, Alt Shift, les gars. Attends, j'ai une idée. Comment clavier? Comment je le mets en anglais? Clavier périphérique. 1-1, détectable, rocat, aimo, j'ai lequel, vulcan. Comment je mets mon truc en anglais? Putain, les gars, je suis désolé, fais chier, quoi. Comment je le mets en anglais, ce machin? Merci beaucoup, Starry. Merci, Lavis. Merci beaucoup. Je peux pas zoomer plus. Merci, Sophia. Remplacer la méthode d'entrée par défaut anglais. Ok, vas-y, on va tester. Si ça marche, je vous suce. Mettez-vous un max de flammes dans le chat de cœur parce que je vous suce. Ok, c'est bon. Donc, je me suis mis en anglais. Donc, c'est parti. Ça commence. Alors, je dois faire quoi, là? Je dois aller chercher mon ballon. C'est un jeu d'horreur, ça, les gars? Merci, Sparda. Ça, c'est un jeu d'horreur? Tu rêves ou il est en train d'écraser sa gamine? Attendez! C'est qui ce malade mental? Il a écrasé sa gamine là, c'est. Et lui il y va. Bon, allez, d'accord. Allez, à d'autres. Merci Dark Sniper, merci Mathis. Merci pour vos données. Il m'a enfermé dans la maison, ce bâtard. Ah non, il m'a pas enfermé. Je fais quoi là, les gars? Je rentre? Bien sûr que je rentre, je m'en bats les couilles. Mais l'enculé. C'est quoi ce bordel? Pourquoi il me court? Oh, elle est plus là. Bon anniversaire, Nili Dark. Je kiffe Sophia, merci. Attends, je vais mettre les LED en rouge, putain. Ok, je vais mettre les LED en rouge, attends. Attends, je mets les LED en rouge. Je mets les LED en rouge. Thierry, il est mort, t'es mort. Ok. Ah, mais du coup, l'éclairage, il est pas ouf. Parce que c'est pété, les gars, derrière. Derrière, c'est pété. Les lumières de mon stud, c'est pété. Ça vous dérange ou pas? Dites oui ou non. Est-ce que ça vous dérange ou pas? Ça dérange pas? Mettez un si ça vous dérange pas. Mettez deux si ça dérange. Enfin, on s'en bat les couilles, non? Ça fait un peu terne. Ça fait un peu flip. C'est flips. Comment je rentre là-dedans? Je peux rentrer dans ça? Ça vous dérange pas? Ok, parfait. Vous me voyez bien? Comment je rentre à... C'est où la clé, les gars? Merci, Ritox. Dans la voiture. Mais je suis un nain. Je suis un nain de jardin, là. C'est pas possible. Pourquoi je suis aussi petit, là? Non.
Mon gars, je te laisse, je me ruine. Va voir ma chaîne, s'il te plaît. Grosse dédicace à Manon. Grosse dédicace Manon de Metz. Merci beaucoup, Matoge. Merci, mon Matoji. E pour rentrer. Ah, putain de merde. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi, espèce de petite merde? Tu vas faire quoi, Manon? Tu vas faire quoi? Ok, c'est bon. C'est bon, c'est pas un screamer de ouf. C'est pas un screamer de baiser. Ok, fais pas trop peur alors. Putain, je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire, attends. C'est ça le screamer? Non, il m'a pas fait peur là, hein. Je vous jure, j'ai pas eu peur. Attends. Ok, vas-y, on essaie de rentrer. Il n'y a pas besoin de clé en fait. Ok, merci LMR, merci mon ref. Ok, attends, je l'attends. Faut que je fasse quoi les gars? Faut que je fasse quoi? Mais pourquoi je suis un nain de jardin? Je suis minus gros. Ok, ça c'est pour se cacher. Pas me voir là. Il me verra pas là. Hein. Je peux. Quand il y a la musique, c'est qu'il est près de toi. Et là, il se passe quoi là? Ça veut dire quoi ça? Il faut que tu prends des cartons. Si tu le lances, un objet, il tombe. Le daron arrive. Où tu trouves ta motivation? Va sur l'étagère dehors. Faut trouver les clés. Regarde dans le frigo. Non, il te voit pas comme dans Granny. Il faut prendre la clé pour aller au sol. Attends, les gars, moi je comprends pas. Le but c'est que je sauve le mec qui est caché dans la maison. On est d'accord? Le but c'est que je sauve le mec qui est caché dans la maison. Du coup, qu'est-ce que je dois trouver premièrement là? Des objets, prends des cartons, ok, je vais prendre des cartons. Merci mes souches, mes choses. Je suis caché là, il me voit pas. Faut se cacher, mais il me fait pas peur. Mais ça fait pas peur votre jeu là. Il fait pas de screamer. Monte sur le toit avec les cartons. Toutes sortes d'objets peut trouver. Ok, donc là le but c'est de trouver des objets. Alors est-ce que j'ai des objets là? Mais pourquoi je suis un nain de jardin frérot? Je fais même pas la taille du meuble. Ok, je peux monter. Ok. Donc ici on peut monter. Maintenant des objets il faut. Il peut pas aller dans le jardin, dans le jardin. Là, le mec peut pas aller dans le jardin. Merci beaucoup, Rafou. Merci beaucoup. Ah, il peut courir, il peut aller dans les fenêtres. Putain, ce bâtard, il peut aller par les fenêtres. Oh bah oui, va sur la route aussi. Bah oui, allez. Là, tu peux rien faire, allez. Putain. Merci beaucoup, Ritox. Putain, je comprends pas, ce bâtard. Ok. Clé rouge. Dites-moi, tu dois aller sur le toit de la maison. Ok, je vais sur le toit. Ok, vas-y, go. Je vais aller sur le toit. Voilà, ici je monte. Ici je monte. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Et là, je cours. Je peux monter là ou pas? Je peux pas monter plus. Prends un carton et monte sur le toit. Ok, et comment je prends un carton, les gars? C'est quoi la touche?
Yo, mais j'ai déjà trouvé la clé à l'étage. Et utilise des cartons pour monter. Merci, Julien. Ok, donc faut que je trouve des. Faut que je monte à l'étage. Je prends une clé et après des cartons. Ok, on l'attend ou pas? Je fais quoi en premier? Trouve la clé rouge. Voilà, des cartons, ok. Pourquoi je peux pas? Pourquoi je peux pas les prendre les cartons? Les gars, pourquoi je peux pas prendre les cartons? Ça marche pas, j'appuie sur eux depuis tout à l'heure. J'appuie sur eux, ils marchent pas. Fais le E. Mais c'est ce que je fais les gars, je fais E. Et je spam E là. Pourquoi ça me prend pas? Mais wesh. C'est un peu comme Granny. D'accord, ok Gabriel, je commence à comprendre le jeu. Mais pourquoi je peux pas prendre les cartons? Longtemps, faut maintenir. Oh putain de merde, pourquoi ça a pété la vitre là? Il est où? Oh il m'a. Là par contre il m'a fait un coup de chose, bâtard. Ok, je vais maintenir. Ah il est là ce petit con. Faut qu'il passe la porte, là. Il est bugué. Merci Nathan. Il me voit là. Oh j'ai un carton. GG. GG le chat. Mettez-vous un max de GG les gars. Merci Julien. Là il va revenir. Là je me barre. Là j'ai pris un carton. Ok pour l'instant on a un carton. Je peux y aller là ou pas? Quand y a ça, je peux pas y aller? Ok. GG. J'ai un carton. Maintenant, je vais monter. T'as déjà vu un nain de jardin porter un carton? Il est plus grand que moi le carton. Comment je le pose? Il m'en faut un autre. Tout ton but du jeu est de savoir qu'est-ce qu'il cache à la cave. Ok. Ok, donc les gars, c'est notre but c'est d'aller à la cave. Ok, je l'ai tué. Il a trop le seum. J'ai mis une fin de ouf. Il en faut combien, les gars? Deux, ça suffit? Rudikas Lani, merci beaucoup. Il m'a vu? Là, pourquoi il me voit pas, par exemple? Je comprends pas pourquoi là il me voit pas et il me saute pas dessus. Merci, Yes Boy. Il arrive. Est-ce qu'il fait un chemin particulier à chaque fois? Ou pas? Il doit faire un chemin particulier, je pense. Pourquoi il fait des tractions, là, ce bâtard? C'est quoi ce bordel? Il jette des boules de neige? Quoi? C'était quoi ce truc blanc, là? Il m'a spermé dessus? Attends gros, il m'a giclé dessus là. Putain mais barre-toi de là, je veux mettre les cartons. Chaque fois qu'il te tue, il place des pièges. Ok, ça marche. Okay, c'est bon, je vais suivre. Putain mais il est intelligent ce bâtard. C'est de la colle, ok faut pas que je marche dessus. Donc si je marche sur la colle, c'est finito pour moi, quoi, il me chope. Bon allez, vas-y, barre-toi, là, laisse-nous empiler notre carton, là. Grosse dédicace, Thibaut, merci.
Mais putain, il est trop réactif, ce bâtard! Mais je fais comment? Mais je vais prendre 10 ans, là! Mais gros, elle est trop fort! Je pète un câble, je vais péter un putain de câble. Mais frérot, laisse-moi jouer. Je peux pas jouer là. Inox, tu joues. Tu en joues de ta queue de cheval, ça m'énerve. Quelle queue de cheval, mon ref. Attends, je vais attendre là. Là, je vais attendre. Là, vas-y. Là, j'attends qu'il fait des frites là. Il va faire des. Il va à la cuisine. Voilà, vas-y, fais tes frites, fais ton barbecue, nanana. Tout, 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 tout. Allez, là maintenant, j'y vais. C'est quoi ce merdier? Pourquoi il est tombé le carton? Là, il sait pas que je suis là, on est d'accord, hein. Faut pas que je bouge. Bah alors, y'a la route? Bah alors? Bah alors, y'a la route? Tu peux rien faire, hein. Pff, il a trop le seum, ce bâtard. Il peut... Attends, prends un... Mais gros, pourquoi je peux... T'as jeté au lieu de poser. Comment je pose, les gars? C'est quoi la touche? Alors j'ai réussi, là j'arrive plus. Comment je pose? Putain, mais monte! Non mais j'en peux plus de ce nain de jardin! Ça marche pas. Non mais les gars, mais je... Mais c'est quoi ce merdier là? Mais... J'arrive plus à poser... J'ai fait quoi comme touche? Ah, c'est clic droit. Oh. Ah, c'est bon. Je peux en prendre 3 en fait. Ah, ok. Ok, regardez le brain que je vais lui faire. Vous êtes prêts? Est-ce que je rentre dans la maison, je prends un carton, je me cache? Devant ses yeux, je le fais ou pas? Mais fais pas peur le jeu. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Quoi? Mais attends, c'est quoi le saut qu'il vient de nous faire là? Pourquoi il fait de la gymnastique? Attends, je vais contourner. Je suis bloqué, j'arrive pas. Cours, bâtard, cours. Putain, je suis bloqué. Oh le saut. Oh, je l'ai eu. Oh mais attends, mais cours pas vite en fait. Attends, mais cours pas si vite que ça en fait. Tu peux rien faire, il y a la route. Attends, il faut aller sur la route? C'est quoi le truc rouge qui m'envoie là? Merci Alexandre. Attends, il peut aller sur la route, ce bâtard! Ok, c'est comme ça. Faut que je commence par le plus gros. Donc je prends lui. Voilà.
Il me jette des tomates, mais il fait une pizza ou quoi, lui? C'est un mal. Mais putain, mais laisse-moi jouer! Mais laisse-moi jouer! Si tu restes dans le jardin, je peux pas jouer! Le jeu, il sert à rien! Non, mais les gars, je comprends pas. Il va pas rester dans le jardin toute l'année, là. C'est... Je vais l'attirer, là. Attends, mais gros, il est trop fort, il vise comme un sniper! Putain, mais je peux pas jouer! Merci MLZ. Oh, mais gros, mais. Mec, c'est quoi ce voisin? Laisse-moi rentrer, frère! Merci Hamza. Mais c'est quoi ce jeu? Mais je peux pas monter, gros! Mais comment je fais? Merci KCDQ. Alexandre, merci pour ta donnée. Courage, tu vas y arriver. Merci à la MZ. Ah, j'aimerais bien, frère. Je suis caché. Oh putain, je suis en côte. Ok, putain. Ok, GG dans le chat, GG. Je fais quoi maintenant? Attends, je fais quoi les gars maintenant? Là, il peut pas me voir, hein. Il peut pas me voir, on est d'accord. Pourquoi il sort? Il va faire ses courses? C'est quoi ce merdier? Attends, mais pourquoi il se barre de la maison? Mais il est con, lui. Faut que je fasse quoi, maintenant? Il peut pas monter là. Oui bon allez bien joué. Lourd franchement. Quoi? Il a un aspirateur? Mais attends mais c'est quoi ce merdier? Tu retournes pas. C'est quoi ce bordel? Mais là, une artillerie de baiser, mec! Mais c'est quoi cette artillerie? Mais attends, mais non, mais les gars, mais il est trop dur votre jeu, mais c'est impossible de gagner! Non, mais les gars, c'est impossible de gagner, frère! Faut casser la fenêtre, ok. Non, mais gros, il a un aspirateur! Ok, attends. On va essayer d'y arriver. Fais gaffe, il peut sauter. Attends, mais wesh, mais gros, il a une artillerie lourde, lui. Ok. Ok, donc il y a les trois cartons là-haut, on les a. Je vais tout récup et je vais monter. Ok, on va péter la vitre, attends. Salut BG, merci Elisabeth. Bon bah je voulais juste te souhaiter encore bonne game à toi. Et merci Alexandre pour ta donnée, merci beaucoup. À la prochaine, à très bientôt, bonne continuation. Merci beaucoup Alexandre, merci du fond du cœur. Ok. Non, j'ai fait un saut trop fort.
Comment je pète la vitre? Comment je pète la vitre, les gars? Ah, mais vous m'avez pas dit comment je pète la vitre. Il te faut un carton pour casser la vitre. Ok. Mais il est trop à l'affût, ce chien! Oh, le flop de baiser, frérot! Ah, oh, le flop! Ok, attendez, attendez. Okay, go, 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 go. Il est où? Ok. C'est bon. Dans la maison, t'as des outils qui t'aideront. Merci, frérot. Est-ce que je peux péter le truc avec un carton? Faut que je fasse quelle touche, les gars? Faut pas aller sur le toit, ça sert à rien. Faut regarder dedans. Maintiens clic gauche pour lancer le carton. Ok. Gâché. Tu l'as lancé. Faut que je fasse quelle touche alors? Clic droit longtemps. Ok. Oh putain de merde! Putain, là, l'aspirateur. Ok, on a réussi à péter la vitre. GG les gars. GG. Faudrait que je passe une fois à Faucon, merci mon frérot. Ok, GG, on a pété la vitre. Ça, c'est déjà bon. Merci pour les GG, merci à ceux qui s'abonnent, qui mettent le pouce bleu. Merci beaucoup. On monte. Vite! Vite! Mais on m'a pas vu. Faut que je fasse quoi là? Ça fait quoi ça? Ok, j'ai le temps. Faut que je fasse quoi là? Merci Faucon. Je vais lui mettre une peau de banane. Putain, j'ai pas la clé. Il est plus là. La clé rouge, la clé du coffre de la voiture. Merci Okiben, il ne peut pas t'atteindre. Ok, il faut que je fasse quoi là les gars? Tableau. Quoi? C'est de la glu? Ah ouais, ok, c'est de la glu. Là, il y a des dessins de petits garçons. Et là, pourquoi il peut venir, en fait? Pourquoi il y a une aura bizarre, le chat? Pourquoi il y a l'aura bizarre, là-bas?
Hein? Grosse dédicace à Fofana, merci Faucon. Ok, il y a forcément des objets ici. Ça fait quoi ce que je viens d'activer là? La clé en haut. Putain de merde, c'est quoi ça? Je rêve. Il y a un mec qui tape un somme là. Oh putain, non mais ça fait trop peur. Non mais c'est sûr, il y a un screamer de baiser. C'est sûr, il y a un screamer de baiser. C'est mort, je vais pas. Non, j'ai pas les couilles. J'ai pas les couilles. Non, les gars, je suis sûr ça. Attends, elle sert à quoi cette clé? C'est la clé de la voiture. Elle sert à quoi? Là, t'as ouvert la clé d'en bas. C'est la clé de la porte. C'est la clé de la voiture. À côté de la porte, il y a une autre clé. Clé à côté de la porte. Y a pas d'autre clé. Ah. Ah oui. Mais sert à quoi celle-là? Elle sert à quoi cette clé? J'ai deux clés. Elles servent à quoi? Clé du coffre de la voiture. Qui bouge dans mon studio? Il y a du bruit dans mon studio. J'ai juré, il y a du bruit dans mon studio. T'entends? C'est quoi ce merdier? Hein? Vous avez entendu ou je rêve? Wesh, la tête de Wam, y'a rien. Hein? Je suis pas fou. Il y avait un bruit dans mon studio. La tête de Wam, il y avait un bruit, vous avez entendu? Vous avez pas entendu? Mec, j'ai entendu une machine à laver, genre une sorte de machine à laver. Non, c'est pas Ace, c'était un mécanisme. Je pensais que c'était dans le jeu depuis le début, moi. J'ai juré, je pensais que c'était dans le jeu. Oh, comment ça m'a fait baber! T'es juste un gars qui profite de la naïveté des enfants pour gagner de l'argent. Ce qu'il faut pas lire. Il y a des choses qu'il faut pas lire sur Internet. C'est vrai que pour regarder mes vidéos, faut payer de l'argent. C'est vrai que mes vidéos, elles sont payantes, j'avais oublié ça. C'est vrai que j'ai volé 100 euros à chaque enfant qui regarde mes vidéos, là. Le live coûte 10 euros, là, les gars, faites attention, l'heure est dépassée, hein. Faites attention.
Non mais par contre il y avait un putain d'esprit dans le studio là. J'hallucine pas là. Merci Maître Ace Vibe va parfaitement. Je t'aime. Merci beaucoup Nico. Merci Sino. Oh putain. J'ai entendu un bruit de baiser. Comment j'ouvre la clé de ça les gars? Comment j'ouvre la clé? C'est le coffre ça hein. D'accord. Hein. J'avais deux clés. Comment ça marche? Je peux pas la mettre. Oh putain, bien ouais. C'est quoi? Un aimant? Comment ça marche? Merde. Oh. Oh. Ok. Et ça, la clé jaune sert à quoi, les gars? La clé jaune sert à quoi? Donc, j'ai... Du coup, celle-là sert plus à rien, mais d'accord. Je la jette dans le coffre. J'ai un aimant et la clé. Derrière la maison. Attrape des trucs au loin. J'ai le chat qui crache, attendez les gars. J'ai mon chat qui crache. Mec, par contre, le bruit dans mon studio tout à l'heure, ça m'a fait vraiment peur, les gars. Et c'est pas une blague. Je vous jure, j'ai eu vraiment peur, les amis. Merci à tous qui sont sur le live, en tout cas. Je sais pas comment vous êtes, mais merci à tous qui sont là, qui s'abonnent, qui mettent la cloche, qui regardent mon stream. Ça fait extrêmement plaisir. Vous êtes des génies. Je vous kiffe. Abonnez-vous, mettez la cloche. J'espère que vous passez un bon moment. Va derrière avec. Jaune égale cadenas jaune à côté du trou en haut pour plus passer dans le trou. Petite fenêtre. Dans la petite fenêtre derrière le jardin. Elle est où la petite fenêtre derrière le jardin? Ok, ici on peut rentrer. Ici on peut rentrer par là. Est-ce que je remonte là-haut, le chat? Je remonte là-haut ou pas? La porte en haut? Je remonte là-haut ou pas, les gars? Je pense que je remonte là-haut. Ça va. Je remonte là-haut, j'ai des couilles. J'ai des couilles. J'ai des couilles plus grosses que le monde. Salut Sal, Ra, merci beaucoup, t'es un génie, tu nous régales, merci Bastien. C'est vous le génie. Est-ce que je suis safe dans cette pièce? Merci 5 levs. Est-ce que je suis safe dans cette pièce? Safe ou pas là? Ça veut dire qu'il est en dessous de moi là. Ça c'est quoi ça? Ça sert à quoi ça? Là-dedans. Des livres, j'en ai rien à cirer. Ça, je sais pas, ça sert à quoi.
peux pas rentrer dans ça. Ici, y a rien d'autre. Ok, ici, y a rien en fait. Elle est useless, cette salle, non? Là, je fais quoi, là? Là, faut que je fasse quoi, les gars? Attends, ça, c'est branché à quoi? Ça, c'est branché à ça. Et ça va là. Ok. Donc ça, ça fait de l'électricité. Donc, doit y avoir une utilité, là. À quoi sert ce putain de ventilo? S'il y a ça pour l'allumer, c'est qu'il doit servir à quelque chose. Fonce sur la porte en activant les mots. Terre à la maison, vérifie la pancarte, t'as déposé la clé, la quête n'est pas là. Va attraper les objets par la fenêtre derrière le barrage. Va au frigo. Ok. Rester ici. Faut que j'aille au frigo, les gars. Je vais aller au frigo. Va derrière la maison. Vas-y, je vais derrière la maison. Go, les gars. Go. Tant. Comment je passe? Je peux passer dans ça? Je peux pas passer là. Faut que je prenne des cartons pour passer, je pense. Ça arrête l'électricité derrière la maison. Avec les mains, les fenêtres derrière la maison. Derrière la maison, il y a une petite fenêtre. Tu mets des cartons, vu que c'est trop grand, tu prends la clé avec les mains. Ok, bien joué. Vous êtes des cracks. Sale chien, petit merdeux, va. Putain, il est chaud. Hein. Je vais contourner. Ok, les gars, je vais l'attraper avec les mains. Fortnite en fait, je build. Elle est où la clé? C'est ça? Oh. Mais c'est génial! Je pense que je vais prendre un autre. Ça? Putain, c'est sur un crochet. Non! Non! C'était le gars. Attends, j'espère que j'ai la clé là. Ça doit être ça, non? C'est quoi? C'est le crochet, ça. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi, ça? Tirez-vous la porte du garage avec le lockpick.
Je fais quoi avec ça? Ok, les gars. Dites-moi. Les amis, dites-moi. Je fais quoi, là? Heureusement, c'est le crochet. Fais le tour avant la porte et prends le reste. T'as la clé, c'est bon. C'était la clé jaune? Non, vous foutez de ma gueule. Non, vous foutez de ma gueule. Comment je fais, là? Attends, je fais quoi, là? La clé jaune, c'est pour entrer dans la porte qu'il y a dans le salon. Tu pètes la porte? Non, tu l'as. Tu ouvres la porte derrière la maison. Ok, alors attends. On va tester. Il n'y a pas de porte derrière la maison. Elle est où la porte? En haut de la maison, derrière. Prends la clé en métal. Ok, j'ai le truc gris. Je fais quoi le chat avec le truc gris? Merci DSK. Mirou, merci mon ref. Rentre dans la maison, puis garage. Va à l'intérieur et ouvre la porte avec ta clé et récupère la clé jaune. D'accord, ça marche. Comment j'ouvre? Comment j'ouvre? Okay. Ça, je lui mets un coup de tatane s'il vient. Il m'a fait peur, ce bâtard. Il est mort. Il est mort. J'ai gagné. Mais je suis revenu! Attends, mais quoi? J'ai trouvé un secret, les gars. Du jeu. C'est un secret du jeu, non? J'ai trouvé un secret du jeu, non? C'est son passé. Pourquoi il pleurait derrière une voiture? Il m'a attrapé, il pleurait derrière une voiture. Comme s'il avait fait un accident de voiture. Et ça, c'est sa voiture qui a fait un accident, peut-être. C'était son passé. C'est un flashback. Ah. Bon, alors, j'ai la clé à molette. Elle sert à quoi, la clé à molette? Les gars, elle sert à quoi, la clé à molette? J'aimerais bien savoir. Attends. Ça doit te servir à aller sur le toit, non? Ouais. C'est ça. Banger. Parfait. Oh, bâtard. Ok, là, je peux rentrer ici. Ok, faut que j'aille là, les gars. Mais là, je vais canner, là, si je tombe. Oh, il y a une clé. Attends. Putain, bah oui, ça serait trop beau. En fait, faut que je saute et que je sorte. En fait. Je vais sauter et sortir. Je fais ça. Aïe. Je suis bloqué, bâtard. Je me tire, je me demande même pas pourquoi je suis parti sans motif.
Oh yes. Let's go les gars, GG. J'ai la clé rouge. Elle sert à quoi celle-là? Peut-être là-haut. C'est peut-être la clé de là-haut. Il y a de fortes chances que ce soit la clé de là-haut. Il peut pas monter. Ok, c'est pas ça. Clé de la cave. Ok. Quoi? Non mais quoi? Comment il est passé là? Il sort d'où lui? Il est... Ni... Hein? Oh, il m'a fait peur ce bâtard! Attends, mais il sort d'où? Mais attends, mais il sort d'où? Oh, il m'a fait un coup de chaud. Comment il est monté? Ah, il a accès... Attends, quoi? Comment il est rentré? Logique, t'as ouvert. Ah, il est passé par là. Ok, tu peux pas rentrer par là. Mais ça, faut que je rentre dans la maison pour voir. C'est quoi? Le problème, c'est qu'il doit être dans la maison dedans. Il est où là? Ouvre le sous-sol. Vas-y, j'y vais. Faut que j'en profite. Take advantage. Je vais le brain. Comment je vais là, les gars? Comment je vais dans la cave? Putain, c'est pas la bonne clé. Mais c'est quelle clé, putain? Les gars, c'est quelle clé, les gars? Faut qu'il sorte dans le jardin. Salon? Mais il est où le salon? Thank you.
quoi ce merdier? Je dois faire quoi? Attends, là il peut pas rentrer par là les gars. Là il peut pas. Il peut pas rentrer par là là. J'ai fait un glitch? Un skip, je suis un génie, j'ai fait un glitch. Un skip, j'ai fait un glitch, j'ai eu trop de chat à skip. T'as eu de la giga chance. Je l'ai tué, il a trop le seum, la chance. Ah les gars, j'ai même pas fait exprès. Ok, GG, attends, comment on fait là? Je pense qu'il y a rien dedans. Ça. On va peut-être prendre un carton. Ou une tondeuse. Vous avez des beaucoup de pubs sur le live ou pas les gars? Parce qu'il y a un mec qui a dit dans le chat il y a trop de pubs, c'est abusé. Vous avez des pubs là? Je vais essayer de me démerder tout seul. J'ai peur là, j'ai juré. Non mais là ça me fait trop peur là.
Je suis paumé, c'est un labyrinthe. J'ai juré, j'ouvre pas. Quoi là? Je dois faire quoi? Je suis bloqué. Où les fucking clés? Elles sont où les clés? Frigo. Éteins l'électricité, reviens ou un truc pété. Au-dessus du grillage, y a pas de clé, coupe l'électricité. C'est ça l'électricité ou pas? Ah non. Je vais là? Je vais là ou pas? Suis le câble. Oui, elle est là. Huh?
ça, ça me fait peur un peu. Ça non, le générateur, faut que je répare. Ok, donc ça, ça marche pas. Et faut que j'allume ça pour allumer ça. Donc, logiquement, je vais suivre ce câble là. Bah, il passe où? Il est passé où le câble? Faut que je remonte dans la maison? Faut que je remonte dans la maison, les gars? Vous me foutez de ma gueule là, faut que je remonte dans la maison. Faut que je remonte dans la maison. Oh non, s'il vous plaît, me dites pas ça. Faut que j'aille où? Non, 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 pas faut que j'aille où? Le plus courant. Par-dessus le grillage. Ah, vous êtes intelligent, putain. Vous êtes trop pas con. Faut que je vous écarte. Faut que je vous écarte, des cartons, des cartons. Des cartons, voilà. Je vous suce, hein. Vous avez 200 de cuir. Hein. Attendez, je fais une tower, je build. Hein? Hein? C'est quoi ce merdier là? Qu'est-ce que je fous là? Mais attends, c'est quoi que j'ai fait là? Je suis mort? Merde! Je suis mort électrocuté? Attends, entre le choix entre escalier, couper le courant. Prends un panneau de décor et penche-le. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais pourquoi il est là? Mais pourquoi il est là, lui? Attends, comment je réactive le courant, là? Comment je réactive le courant? Faut que j'éteigne l'électricité. C'est où éteindre l'électricité? C'est où pour éteindre l'électricité? T'as pris trop de temps, il est venu. Putain, merde. Coupe l'électricité. C'est où pour couper l'électricité, le chat? Dites-moi. C'est où que je coupe l'électricité? La boîte rouge. Devant la grille. C'est devant la grille? Le boîtier rouge au début.
au début. Putain, je suis enfermé. Et comment je fais là? C'est fini pour moi. Mais c'est fini. Je prends ça, ça. Je suis mort, il va venir tout le temps. C'est devant. Derrière toi. Le générateur, t'es aveugle. Quoi? Attends, mais quoi? C'est quoi ce bordel? C'est où? Je fais pas gaffe. Plus tu restes. Je l'ai passé. C'est ça, là? J'avais dit, je l'ai passé. Il est où? Oh, c'est ça. Comment je le désactive? Je suis enfermé là. Oh, le chien de la baraque. Oh, le chien de la baraque. De bâtard. Incroyable, il m'a fait trop peur. Oh, comment il m'a fait bader. Ok, là faut que je tape un sprint du futur, les gars. Oui, bon, t'es une campouse, là. Vas-y, sors, là. Arrête de camper. Oh, il a fait un piège. Il allait me mettre un saut dans la gueule. Prêt les gars? Run. Tana. Arrête! Putain de merde. Non mais gros, mais fait trop peur votre jeu. Non mais fait trop peur votre jeu. Non mais les gars, il fait trop peur votre jeu. Il y a eu un bug du live les gars ou pas? Il y en a qui m'ont dit bug là.
peux pas venir de toute façon. Il est là! Putain, eh, il fait trop peur, les gars. J'ai juré, il casse les couilles. Comment il fait bader? Comment il fait bader, lui? Ok. Les gars, est-ce qu'on est loin de finir le jeu ou pas? J'ai plus la lampe. Merdier, j'avais coupé l'électricité, les gars. Pourquoi c'est pas éteint? Les gars, j'avais coupé l'électricité. Ça s'est remis? Les gars, pourquoi? C'était pas censé être coupé? Quel chien. Mais c'est trop dur le jeu, les gars! Thank you.
c'est impossible, il les réactive à chaque fois. Allez, viens maintenant, viens. Oh! Mais c'est impossible, les gars! En fait, faut qu'ils me suivent. Allez, viens! GG les gars. Je fais quoi maintenant? Je peux allumer ça là-bas ou pas? Ok. Yes! Yes, 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 yes! Sa mère! Ah! Ah! Non, mais putain! Mais c'est quoi ce bordel? Mais putain, mais les gars, je pouvais rien faire! Mais putain, je pouvais rien faire! Attends, j'ai gagné ou pas? J'ai gagné ou pas, les gars? J'ai gagné? Enfin, en mode... J'ai perdu ou pas? Ou j'ai... Chou, là, en fait. C'est fait exprès? J'ai réussi? Ok, GG, c'est l'acte 2. Oh là 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 là. Les amis... 22h30... Je pense qu'on a pas mal joué... Et ce jeu me plaît. Donc, on fera un autre live dessus pour continuer. Chapitre 1 terminé, bébé. Il y a combien d'actes? Il y a combien d'actes, les gars? GG, en tout cas, vous pouvez vous mettre des cœurs dans le chat. Un max d'applaudissements. GG, c'était exceptionnel. T'as fait quelle course à Saint-Raph? En combien de temps? Merci, Malcolm. J'ai fait la Spartan Race. Merci, grosse dédicace à Easycar. Merci, mon frérot. Merci, Evan. Ça va, Ice? T'as fait dodo? Et dodo, mon chaton, t'as fait dodo. Oh, t'as fait dodo. Oh, oui. Fais dodo. 4, il y a 4 trucs. Ok, bah les gars, on va continuer dans un prochain live alors. Dans un prochain live, on se fait ça ou pas? On se fait 4 lives du coup. On se fait ça sur 2 semaines, on se fait 4 lives et on fait les 4 chapitres. Est-ce que vous êtes chaud? Oh alors, mon chat. Bon, oui. Mais les gars, c'est un vrai bébé. Regardez le câlin qu'il me fait. Est-ce que c'est... Les chiens, ils font souvent ça? Théma, c'est hallucinant quand même, Théma. Il dort sur moi. Est-ce que c'est souvent que les chiens, ils font ça?
Mec, chut, mec, il est trop bizarre, mon chien. Mec, Théma, il est amoureux de moi. Théma, comment il dort sur moi? Mec, je vous jure, j'hallucine. Genre, j'hallucine. Mon chien, il me fait halluciner. Mec, il est trop mignon. Théma, comment il dort, gros? Tu sais que là, je peux rester, honnêtement, 5 heures, il reste comme ça. Il peut rester 5 heures comme ça, frérot. No joke, il peut rester 5 heures comme ça. Je savais pas que les chiens, ils faisaient ça, des fois. Il est trop mignon. Bon alors, mon chéri, bon, câlin, câlin, les gars. Mais je kiffe, c'est trop un BG, les gars, je le kiffe. C'est un BG de ouf. Mais Théma, il bouge pas. Il reste allongé, il est trop mignon. Il est trop chou, frère. Bon alors. Bon alors, on a fini le live. Attends. Je vais pas trop te faire chier. Voilà, Exarmolus, c'est là. Ça me termine. Il bouge pas. Mec, je... il a la tête dans le cul. Il est trop mignon. Bon les gars, est-ce que vous avez kiffé le live, le chat? Est-ce que vous avez kiffé le live? C'est le plus important. Merci à tous ceux qui ont regardé le live. On se fera un live demain et après-demain. J'espère pas encore. Je sais pas encore ce qu'on va faire. Peut-être on refera du Hello Enigbo. Hein, Ace? On dit au revoir aux abonnés. Au revoir. Voilà les petits refs. Bah faites-vous. Passez tous une bonne journée. Des gros bisous tout le monde. Abonnez-vous. Mettez la cloche. Abonnez-vous sur Insta, Twitter, tout ça, tout le tralala. Des gros bisous tout le monde. Passez tous une excellente soirée. Et on se voit demain pour un prochain live. À demain.